Bienvenue au Ski Show! Le voyage final du Ski Show est une présentation de Joli Film et Atmosphère Saint-Sauveur. Salut, aujourd'hui on est avec Exhibit. Hey! Bon, Boris, on est là une semaine avant le grand jour, avant le départ. On est avec Stéphane de Joli Film. Puis Stéphane, peux-tu nous expliquer qu'est-ce que tu fais ici? Joli Film, c'est une compagnie de pellicules protectrices, wrap automobile, changement de couleur et détaillant de souliers. Puis là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on s'en vient faire, c'est la Camry? On s'en vient la modifier un petit peu visuellement, donner un petit peu le look du ski show et aussi donner tout qu'est-ce qui est nécessaire pour aller en randonnée, boîte à ski et sac à dos. Oh yes! Suivez-nous, on va aller voir ça. On va suivre d'étape en étape comment ça se passe avec, pour modifier la Camry. Aileron, un pipe, kit de jeu. Allez hop! Un solo te amo, in aria te amo. Se viene testa vuol dire che basta lasciare. Il est dans son milieu là, dans son milieu. Regardez-le. Parfait ça. Côté de la Camry là. Stéphane, là on est dans comme table de travail ici. Mm-hmm. Première étape serait quoi? En attendant la pizza, on va préparer les collants. Donc ça va être la couleur des portes. Donc ça ressemble étrangement au manteau du ski show. Ça me dit quoi ça? Et le logo du ski show va être découpé dans ce merveilleux vinyle sur la machine qui est ici, qu'on prépare à l'ordinateur. Bon, là en attendant la pizza, il faut continuer à faire nos décalques. Donc, on va faire le logo ski show. Ah ouais, je suis prêt. Un niveau de bricolage, Boris. Moi, fais ton affaire, je vais t'oublier. Je me donne une note jusqu'à maintenant de 9 sur 10. Le logo est pas bon, man! Excuse-moi, qu'est-ce que je t'ai dit? Occupe-toi de ton affaire, je vais t'oublier, merci. Donc, voici le résultat final. J'ai rien à dire. Je suis quand même très content du résultat. Nos dessins sont pas tout à fait terminés. Il nous reste à peu près 2-3 petits détails à faire, puis après ça, on revient avec le projet final. Bon! OK. Là, je pense que ça va être bon, ça. Là, à partir de là, on peut commencer. Hein? On est prêt. Allez, hop. On a commencé la transformation d'automobile de ski show. Ouais. On se voit avec le résultat final. Boris? Yes. Et voilà. Donc, le produit terminé, on se ramasse avec une Mazda 3 rose. C'est officiellement le départ pour la Gaspésie, les Chic-Choc. Ah! On est dans l'excitation ici, la gang. Sous le vent, si tu crois que... Oh yes! Checkez-moi ça, guys! Checkez-moi ça! Oui! DJ! Moi, je suis le DJ ici, à Vichy. Comment ça se déroule jusqu'à maintenant? Très bien, on est bientôt arrivé. Il reste environ une heure de route. Il fait beau, il fait chaud, le fleuve est magnifique. I'm
All right, on vient de rentrer dans les terres des Chic-Chocs, le terrain de jeu des prochains jours. J'ai très hâte. Très hâte. Moi, je suis très content. Je dirais que là, je vois l'épicerie en plus, ça se concrétise. Je vois les montagnes, c'est excitant. On est là, dans l'excitation. Et on est aussi dans un petit chemin. On est là-dedans aussi. On est arrivé au Murdochville. C'est le ski show, la gang. Ah, c'est hot. Bonjour tout le monde, salut Boris, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va bien. Là, on est au Chic-Choc cette semaine, vous allez voir, vous allez nous suivre toute la semaine. Premièrement, on va présenter nos invités. Boris, on est avec... Mary Lou, qui s'y présente, Steve-Éric et puis Étienne. Ça, c'est deux guides qui vont être avec nous, qui vont nous montrer les secteurs skiables les plus beaux dans les Chic-Chocs. C'est un grand secteur, c'est un grand domaine skiable. Puis on va aller vous montrer ça. On va essayer de voir les plus belles places à skier. Puis avec ces deux gars-là, bien, je pense qu'on est entre bonnes mains. Je pense vraiment qu'on est capable de faire de quoi. Bon, journée 1, qu'est-ce qu'on essaie aujourd'hui, les boys? On va aller au Champ de Mars. Très belle place aujourd'hui pour commencer dans les Chic-Chocs. Souvent, quand les gens arrivent, c'est ici qu'on start. Super belle place. On va avoir une très, très belle vue 360 degrés sur toutes les montagnes alentour. Wow, ben, gros fun aujourd'hui. Cool. 3-4 descentes qu'on avait dit en soir, ça va être ça. Bon, oui. Parfait, on va aller voir ça. Yes! Fait que dans le fond, c'est ça. C'est ça pendant le sous-bois du retour qu'on va utiliser tout à l'heure pour retourner au véhicule qui est parqué en bas. Le ski show mobile. Yes! Yeah! Fait que c'est ça. Comme vous avez pu voir, la qualité de la neige a changé. C'est beaucoup plus mou qu'en bas. On va avoir des conditions de printemps. Comme qu'on recherche. Hein, c'est optimal. Nice, ouais, ouais. On va voir qu'est-ce qu'on a venu chercher. On le sait, nous autres, dans les Laurentides, la saison de ski est terminée. Ici, la saison printanière fait que commencer. Bon, petite mise à jour, on vient d'arriver en haut. On est en train de prendre une petite pause. Puis, écoutez, je dois vous dire qu'en ce moment, là, on a une vue 360 sur les Chic-Chocs, là, puis on est assez impressionné. Sans mots. C'est spécial parce que tout le long que tu montes, t'es dans un petit chemin où est-ce qu'il y a des arbres à côté de toi puis tu vois pas où est-ce que tu t'en vas. Dans les derniers 500 mètres, ça s'éclaircit puis on est... c'est vraiment beau. Une vue à couper le souffle puis j'ai vraiment hâte d'essayer le ski. Là. Ça va, on s'apprête à faire notre première descente. On vous tient au courant. D'arriver en bas de la première descente, ça fait quelques minutes déjà, on a commencé à dîner, on fait une petite pause, de toute façon on va remonter, fait qu'on va voir comment que la forme va aller. Jour 1, hein, on est en forme, mais quand même, d'habitude on monte en chaise nous autres, fait que on va se donner une chance, on va se respecter, on va s'écouter, très important les jeunes toujours s'écouter, hein? C'est ce que j'ai à dire. Le Boris, on a fini de dîner. Ouais, on a fini de dîner, c'était très bon, on a eu la paix. C'est... beau, la petite rivière à côté. Ah, c'était magique. Magique. Ah, ouais. Puis là, on s'en va faire, on remonte en premier, puis on s'en va faire la petite trail qui est juste ici. Petit couloir qui est là, là. Exact. Environ 30 degrés, nos estimations. Ça. On a à peu près 1,3 km à faire à monter là, avant d'arriver là. Fait que ouais, on si tient au courant. Non, ouais. Ça se fait bien, ça. Surtout quand avec des bottes comme on a, là, bien équipées, là, yes. Ça se fait bien. Ça. We'll be right back.
aujourd'hui. En fin de journée, on a fait l'autre montée. Vous avez vu le petit couloir, là, ça, c'était magique. On a monté à peu près à mi-chemin, à mi-hauteur, puis là, on s'en va jusque dans le parking. On s'en va jusqu'au stationnement, rejoindre notre ski show mobile. Donc, cette semaine, au truc de la semaine, on a Steve qui va nous faire un petit truc. Truc de peau. Truc de peau? Pro? Pro-pro? Pro. All right. Fait que dans le fond, pour enlever ta skin, ça, c'est un bon truc. Quand tu veux voler une ligne à quelqu'un, tu vois qu'il s'enligne, toi, tu veux y aller vraiment, vraiment avant lui, tu prends ta skin, tu la ramènes jusqu'à la fixation d'avant. Pop! Et voilà, on est prêt à partir. On passe en avant, puis on vole la ligne. Yeah! Moi, j'ai le mot ici. Truc de pro. De peau. Des skins, comme il dit, là, les skins. La peau, on est là. Pas la peau, un skin. Allez, faut comprendre. Conclure la journée. Écoutez, ça a été une révélation. On vient de tomber en amour avec une région au grand complet. Là. C'est fou. Incroyable. On a vu toutes les montagnes qu'il y avait aux alentours. On a hâte d'aller les skier. Hey, c'est beau. Là. Encore une fois, un gros merci à Étienne, Steve. Plaisir. Ben, plaisir, les boys. Ben, content de voir c'est, ça a été les guides. Jour 2. Il y a plus toute la journée. On n'a pas fait grand-chose. On n'a pas skié. Il n'y a plus d'électricité. Les routes sont brisées. Plus toujours. Les poignées ici. Genre. Pas de ski. Pas de ski. C'est plat. C'est dur. C'est dur aujourd'hui. Oui, jour 3. Là, le soleil est sorti. Ouais. On s'en va direction Mont Miller parce qu'on le sait, la route, il n'y a plus hier. C'est défoncé. Ouais, on peut même pas se rendre. Elle est fermée, donc on peut pas aller dans les grosses montagnes. Fait qu'on va aller un peu autour de Murdochville. On est... là, pour l'instant, pour cet avant-midi, on va aller voir le Mont Miller. C'est une montagne avec un T-bar, mais il est fermé, donc on va le monter en faux. Bon. Voyez-vous, là, on est prêt à monter. On va aller monter le Mont Miller. C'est la montagne à Murdoch. On va commencer par une montée en plein milieu de la piste, puis on va voir après ça, rendu en haut, où est-ce qu'on s'en va? Quelle descente qu'on fait. Exactement. Suivez-nous. Donc, on est rendu au sommet. On est arrivé enfin en haut. Ça nous a pris environ pas long, là. Ouais, 35 minutes, à peu près 40 minutes, là, on était rendu au sommet. Là, vous pouvez voir, on a une belle vue en arrière encore une fois. On est entouré d'éoliennes, ça c'est quand même impressionnant ça. On est allé prendre une petite pause. La vue est écœurante ici. Là, ça paraît pas, mais il y a une éolienne. Peu importe. Nous autres, on va descendre ici, on va aller faire la 21 qui s'appelle l'Avalanche. Un petit sous-bois. C'est prometteur. Je vous dis, la gang. Tu n'as pas remarqué, moi je suis en maillot là, présentement. La raison pour laquelle je suis en maillot, c'est parce qu'il fait beau, il fait chaud. Puis j'avais pas de short. Je m'avais amené un maillot, pas de short. Fait que là, c'est ça que j'ai pour l'instant pour monter là, mais c'est parfait. Hein? Si je me mouille, ça sèche vite. Ah bon. Donc là, on a retrouvé Steve qui est avec nous. On va commencer à entamer la deuxième remontée de la journée.
Ben, aujourd'hui, ça va être des conditions, comme on peut voir. Crème, aujourd'hui, on va skier dans de la crème. 35%. 35%, exactement. On est là. Fait que c'est pour ça, aujourd'hui, on va opter pour le Mont Miller. C'est un site de ski, ça a été passé et repassé toute l'année. Ça fait que le fond est quand même un peu plus pacté. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça, on va aller jouer dans cette section ici. On va se cacher un peu du soleil, on va aller jouer dans le bois à l'ombre. On va avoir une super belle descente, ça sera pas trop collant. Ça va aller vite, comme on aime ça. Yes, sir. That's it. Super, merci, Steve. Yes. Marie-Lou, commentaire? Moi, j'aime ça, j'ai bien hâte d'être en haut, c'est tout. Allez hop, on s'en va dîner au sommet, suivez-nous. Oh yeah! Donc, on est rendu sur le premier sommet. On va monter, il nous reste encore un petit 5 minutes de montée pour faire la deuxième run de la journée. Pas très long, il fait beau, il fait chaud, on vient de manger. Hier, vous avez appris que j'avais un talent caché. C'est le moment de vous le montrer. C'est une joke, c'est rien que pour le... C'était juste pour le, la folie du vidéo. Boris, au Québec, combien de pourcentage de notre énergie est propre? Toi, tu sais-tu? Oui. Vas-y. Au-dessus de 90%, mesdames et messieurs. True fact. Allez hop. Moi, je sais pas marcher avec des pots, mais je connais le nombre de pourcentages qu'on a d'énergie propre au Québec. Là, on a pris une petite pause, le soleil commence à descendre. On va aller monter le sommet là-bas. Bon, c'est ça. Nous, on s'en va sur le sommet du Mont Porphyre. On va aller voir le coucher de soleil sur les Chic-Chocs, la section McGarrigle qu'on va voir d'ici. On va faire une descente au nord. Le soleil n'a pas touché là de la journée. Fait qu'on va avoir une super belle descente, des belles conditions pour une fin de journée. T'as-tu skié ici? Non? Ouais, oui. Allez, ciao! Influenceur. On vient d'arriver au sommet, fait à peu près 15 minutes là, qu'on monte, là, à une demi-heure près. Puis là, on enlève nos pots, on se prépare parce qu'on s'en va descendre là où on voit pas, là-bas. On a commencé à descendre un petit peu au début, puis là, il nous reste encore pas long, puis on s'amuse. Là. Comme vous voyez bien, c'est le fond de la neige, j'ai pas aussi mal qu'un matin. Je ne les ai pas aussi collantes, fait qu'on peut plus glisser puis s'amuser. C'est cool. Cascadeur, j'en perds mon ski, je l'ai landé. Allez. Oh, c'est parce qu'il y avait une branche. Allez. Rock and roll. Ready to rumble. Start your engine. Oh Boris! Oh, c'était hot celle-là, là! Oh la gang! C'était fun! Merci Steve! Ça fait plein plaisir, gang! Toujours un plaisir! Ah ouais, venez-vous-en, gang! On s'en va au show! Voyez-vous, le pro va pouvoir s'adapter à tous les environnements. Donc là, le public qu'on a ici là, pour se faire accepter là, dans la gang, c'est lunettes comme ça, avoir un accent, là, puis on part. Allez hop, la gang!
Comme ça, vous vous faites accepter. Allez! Il pleut aujourd'hui, la gang. Une petite bruine. Ce matin, c'était très nuageux, très foggy. Là. J'ai pas le mot français, mais ouais. C'était brumeux. Allez, c'est le mot français. Aujourd'hui, c'était brumeux ce matin. Là, ça veut un peu se dégager. Aujourd'hui, l'objectif, le Mont Lial. On se rappelle du sketch de Bruno. Je reviendrai à Mont Lial. Moi, je veux du soleil aujourd'hui. Boris, toi? Plein de soleil, moi, j'en veux. 1, 2, 3, 4, 5, 10 000. On est parti, mon kiki. Là, moi, il y a une chose qui m'inquiète ce matin, jour 4. Là, les autres journées, Steve, notre guide, n'avait pas de pelle. Aujourd'hui, il a amené sa pelle. Steve? Yep. Aujourd'hui, Mont Lial. Exactement, Mont Lial. À quoi ça ressemble? On est où, là? Nous autres, on s'en va. On est au stationnement juste ici. Oui, on va prendre la montée JLA pour Jean-Louis Arsenault, pionnier du ski hors-piste en Gaspésie. Ouais. Ensuite, faire une première descente par les sous-bois. On va ensuite monter la face du troll pour accéder au bowl, faire une dernière descente. Yes, sounds like a good plan. Ça ressemble à un bon plan. Version française. Pour nos amis francophones ici. Terrain avalancheux, la gang. Moi, chance que j'ai un reco sur mon casque. On va pouvoir me retrouver. Allez hop! On n'a pas peur, on n'a pas peur. Hey Simon, t'es-tu déjà venu ici? Nous autres, oui. Allez, ciao! Steve, là, ce qui s'en vient là, devant nous autres, c'est, j'imagine que ça va être plus abrupt. Ouais, c'est ça. On va monter le niveau des talonnières d'une coche. C'est ça, comme je disais tout à l'heure, on va accéder au sous-bois pour notre première descente. Donc là, en montant, on est tombé dans une forêt. Comme vous le voyez, il y a plein d'arbres partout, plein de lichens. C'est vraiment beau, là. Puis, il n'y a aucun bruit. C'est saut, il n'y a pas d'écho, il n'y a rien. C'est fou. Malade. Fait qu'on est environ aux trois quarts de la montée. On est presque au sommet déjà du Mont Lial. Je vais vous montrer à peu près un petit aperçu de comment il reste de la neige en Gaspésie. Fait que comme on peut voir, ma baguette, elle a 2 mètres. Fait que, on a un fond ferme ici. Yo, ouais. Encore de la neige en Gaspésie. Ça, c'est ça que Steve nous disait, là, ils n'ont perdu à peu près la moitié. Rien, là. Comme vous pouvez voir, c'est super brumeux aujourd'hui. Il fait chaud, fait que la neige est en train de fondre, ça fait de la brume. On va se tenir bien, bien collé. Faut pas se perdre de vue, dans le fond. On évalue qu'est-ce qu'on fait. On va y aller hyper sécuritaire, c'est la façon de descendre aujourd'hui. Et dragon? Pas de dragon, guys. Pas de dragon dans ces conditions-là, surtout en free-riding de même. Là. Jamais de dragon. Jamais de dragon. Retenez. J'adore l'eau. Il t'est arrivé un petit problème ici, Boris. Peux-tu nous expliquer ton petit problème? Ma peau s'est décrochée en montant. Fait que, comme vous voyez-vous ici... Elle colle plus. Elle colle plus, il y a de la neige partout. Pour ça. Fait que dans ce temps-là, les amis, là, on va faire un peu comme si que on épellerait une carotte. On va aller, on va frotter comme ceci pour retirer la pelure. Et voilà. C'est de leur donner de l'adhérence sur le ski. Et voilà, Boris, on est prêt à partir. Ça, c'était le truc de peau numéro 2. Là, Boris, on a dû réutiliser le truc de peau 2 parce que ses peaux collent pas. Puis, petite mention spéciale à Boris qui n'a pas fait sécher ses peaux hier. Donc, les jeunes, truc de peau 3. On fait sécher nos peaux. Hein? Après chaque journée, on les fait sécher. On les met sur un cintre. Oui, j'ai oublié mes peaux. J'ai oublié de sécher mes peaux hier, mais je tiens à signaler que en rentrant, je t'avais dit tout de suite Étienne à faire la cuisine. C'est vrai que c'est un bon c'était petit mon gars erreur. Quand même. C'est quand c'était même un erreur. Bon petit gars. C'est quoi ton call, là? Ben, moi, je vais vous dire, on est dans le wide out. Un bon français, tout est blanc. Fait que, on va arrêter ça juste en haut. Il y a un petit îlot qu'on voit ici avec la roche. Puis,
Avec un peu d'herbe, on va s'arrêter juste en haut pour partir de façon sécuritaire. On va se rendre jusqu'en bas. Ouais, là, skis sont mis, peau enlevée, casque attaché. On est prêt à aller skier. Comme l'autre descente, vu que la brume est revenue, on va y aller 150 mètres, on se rejoint, on y va un autre shot pour descendre en toute sécurité et pas perdre personne. Parfait. Objectif, perdre zéro personne. C'est notre dernière journée ici au Chic-Choc, à Murdochville aussi. Puis, pour fêter ça, ouais. Là, surprise, le manteau, t'en voulais un. Oh! Je te donne mon manteau. Steve, oh. Eric, c'est pour te remercier. Sérieusement, trop nice, guys. Un manteau du Ski-Choc. Trop nice, hey, un ça gros fait tellement merci. Plaisir, merci beaucoup. Un gros merci, merci Hubert beaucoup. Aussi, toute l'équipe, sérieusement, un gros, gros merci. C'est le guide. Vous êtes les bienvenus. Ah, merci, c'est la perle. Pour vrai, là, ouais. Steve, Eric. Trouvez-le, puis une fois que vous l'avez trouvé, lâchez-le pas, parce que Colin, il a des connaissances sur tout ce qui est dans les alentours, sur le ski, à l'heure, n'importe quand dans l'année, il y a les places parfaites pour vous amener. Dépendamment que vous êtes un skieur intermédiaire, avancé, super avancé, Eric Gay, il va être là pour vous. Fait merci. Que c'est, ouais, c'est fou. Pour vrai, bon, merci beaucoup. Murdochville, c'est un départ. Merci. Merci, Murdoch. Le ski show te remercie. Donc là, on vient d'arriver à Montréal. Ouais. Et bien, on a retrouvé la pluie, là, puis le mauvais temps, puis le temps gris. Non, c'est ça. Puis malheureusement, c'est fini. On aimerait remercier tous nos partenaires qui nous ont aidés à faire ce trip-là, ce petit trajet. Mont Blanc, Daniel Lachance qui service, joli film, Atmosphère Saint-Sauveur. Est-ce que j'en oublie? Je ne penserai pas. Contraste vidéo. Oui. Contraste vidéo, merci énormément, Hubert. Merci. Thumbs up. Ouais, merci à tout le monde qui nous a encore suivis cette année. C'est vraiment. C'est fou quand même, hein? On était trois amis d'enfance qui avaient comme rêve de faire des films de ski, puis aujourd'hui on est en train de le faire en web série, puis c'est vraiment malade. Ouais. On aime ouais. ça. Puis sans vous, ben ça marcherait pas. Fait que merci beaucoup. Puis ben. Boris, pour la dernière fois, encore une fois cette saison, je vous dis bonne semaine, bon virage, bon été. Et puis. Bon virage, on l'a dit deux fois. Mais parfait, virage. C'est tout. On est fatigué, excusez-nous la gang. Hey, merci énormément, merci beaucoup la gang. Merci. Bon, grosse saison. Ouais.